Salut tout le monde, bienvenue sur Duplicate Club pour jouer la partie du samedi qui est une partie 7 sur 8 à vocabulaire courant. Voilà, 7 sur 8, c'est-à-dire qu'on tire 8 lettres à chaque coup, mais on ne peut en jouer que 7 au maximum. Ne jouez pas 8 lettres, hein, sinon c'est 0. Voilà, tout simplement. Et bon, comme c'est un procédé un peu difficile, puisqu'on a une lettre en plus, ce qui augmente les possibilités, eh bien, on vous la propose à vocabulaire courant, c'est-à-dire que les tops sont des mots normalement connus, dont on a une culture générale de base. Voilà. Allez, on va démarrer donc cette partie 7 sur 8 en quelques secondes, 7 sur 8 à vocabulaire courant. À la fin de la partie, un décodage pour voir les isotopes et les principaux sous-tops de chaque coup, ainsi que quelques définitions et un peu de vocabulaire à retenir. Voilà, je vous ai dit l'essentiel. Comme d'habitude, les parties souveraines sont proposées en trois versions de temps, 1 minute, 2 minutes ou 3 minutes par coup. Elles sont accessibles le jour de leur publication aux membres payants, aux abonnés payants, 4,99 € par mois sans engagement. Si ça vous intéresse, vous cliquez sur le bouton « Rejoindre ». Et ensuite, 14 jours plus tard, elles sont ouvertes à tout le monde. Voilà. On y va? Je vous souhaite une très très bonne partie sur Duplicate Club. Voici votre premier tirage de 8 lettres, donc Égypte E, Uruguay U, Tunisie T, Égypte E deuxième, Grèce G, Norvège N, France F et Maroc M. Vous jouez avec Égypte deux fois, Uruguay, Tunisie, Grèce, Norvège, France et Maroc. Chrono. Il vous reste 30 secondes.
Le coup est terminé. Le top est à 28 points. Horizontalement en H4, nous posons fume. F-U-M-E-N-T. Le N est sur la case centrale. Fume, F-U-M-E-N-T, H4, 28 points. Deux lettres au reliquat, Égypte et Grèce. On ajoute Venezuela, V. Algérie, A. Une fois, deux fois, trois fois. Uruguay, U. Et Norvège, N. Vous jouez avec Égypte, Grèce, Venezuela, Algérie trois fois, Uruguay et Norvège. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Soixante-quatre points. Verticalement, en 9D, on appuie sur le T de fume. Nous descendons avantage.
A-V-A-N-T-A-G-E. Avantage, A-V-A-N-T-A-G-E, en 9D. Ça vaut 64 points. Une lettre au reliquat, Uruguay. On ajoute Portugal, P. Égypte, E. Wallonie, W. Égypte, E, deux fois, ce qui en fait 3. Luxembourg, L. Et Portugal, P, c'est le deuxième. Vous jouez avec Uruguay, Portugal deux fois, Égypte trois fois, Wallonie et Luxembourg. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Maximum à 91 points. Faites très attention à la place. Nous allons horizontalement en L8. En L8 pour mettre un E au bout d'avantage. Avec peuplé, P-E qui vient au bout de avantage, U-P-L-E-E. Donc le premier E de peuplé vient au bout de avantage pour faire avantager et E. Faites attention à la place, c'est bien le premier E de peuplé qui assure cette rallonge.
peupler, P-E-U-P-L-E-E, L8, 91 points. Une lettre au reliquat, Wallonie. Ajouter Suisse, S. Égypte, E. Océanie, O, deux fois. Luxembourg, L. Norvège, N. Et Uruguay, U. Vous jouez avec Wallonie, Suisse, Égypte, Océanie, deux fois, Luxembourg, Norvège et Uruguay. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un top à 72 points. Horizontalement, en E8, en appui sur le V de avantagé, nous posons évoluons. E, V, O, L, U, O, N, S. Évoluons, E, V, O, L, U, O, N, S, en E8. Ça vaut 72 points. Une lettre au reliquat, Wallonie.
On ajoute Suisse S, Jordanie J, Égypte E, Hongrie H, Roumanie R, Algérie A et Canada C. Vous jouez avec Wallonie, Suisse, Jordanie, Égypte, Hongrie, Roumanie, Algérie et Canada. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 102 points. Faites très attention à la place du mot joué horizontalement en 14H en appui sur le tout dernier E de peuplé. Nous descendons Jachère. J-A-C-H-E-R-E-S. N'oubliez pas le S final et faites attention, c'est bien sur le dernier E de peuplé. Le dernier E que nous posons, Jachère, en 14H. J-A-C-H-E-R-E-S pour 102 points. Une lettre au reliquat, Wallonie. On ajoute Italie, I. Belgique, B. Italie, I, deuxième. Canada, C.
Roumanie, R. Tunisie, T, deux fois. Vous jouez avec Wallonie, Italie deux fois, Belgique, Canada, Roumanie et Tunisie deux fois. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Soixante-douze points. Horizontalement en haut 11, en appui sur le S de Jachère, nous posons Twist. T-W-I-S-T. Twist, T-W-I-S-T en haut, 11, ça vaut 72 points. Quatre lettres au reliquat, Belgique, Canada, Italie, Roumanie. Nous les rejetons, donc vous rejetez le B, le C, le I et le R. Et voici Océanie O, Égypte E, Algérie A, Italie Égypte E deuxième, Maroc M, Italie I
deuxième. Et Danemark D. Vous jouez avec Océanie, Égypte deux fois, Algérie, Italie deux fois, Maroc et Danemark. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 76 points. Verticalement en 4D, en appui sur le F de fume. Nous descendons modifier. M-O-D-I-F-I-E. E. Modifier. M-O-D-I-F-I-E-E 4D. 76 points. Une lettre au reliquat, Algérie. On ajoute Tunisie T. Algérie A, c'est le deuxième. Danemark D. Kenya K, Kenya. Uruguay U. Belgique B. Et Joker, lettre blanche. Vous jouez avec Algérie deux fois, Tunisie, Danemark, Kenya, Uruguay, Belgique et Joker. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 101 points. Verticalement en 8A, en utilisant le joker comme un S de Suisse, en appui sur le E de Évoluon et en collant à gauche des premières lettres de Avantagé, nous descendons. Basket, B, A, le joker est un S de Suisse, K, E, T. Au passage, on forme K, K, A et T, T, A avec les deux premiers A de avantagé. Basket, B, A, S, K, E, T, 8, A. Ça vaut 101 points. En lettres reliquat, Algérie, Danemark, Uruguay. On ajoute Luxembourg, L. Joker, lettre blanche, le deuxième. Italie, I. Canada, C. Et Suisse, S. Vous jouez avec Algérie, Danemark, Uruguay, Luxembourg, Joker, Italie, Canada et Suisse. Chrono. Il vous reste 30 secondes.
Le coup est terminé. Un top à 95 points. Horizontalement en M3. Le joker sera un O d'Océanie pour terminer sous au bout de avantagé, pardon, nous posons adouci. A D joker O d'Océanie U C I S. Le I forme pi pays avec le premier P de peuplé. Et le S vient mettre avantagé au pluriel. Adouci, A-D-O-U-C-I-S, en M3. Ça vaut 95 points. Au reliquat, une lettre, un Luxembourg. On ajoute Algérie A. Norvège N, Italie I, Xénophon X, Roumanie R, Égypte E et Zambie Z. Vous jouez avec Luxembourg, Algérie, Norvège, Italie, Xénophon, Roumanie, Égypte et Zambie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Cent dix points.
Horizontalement en A8, en partant du B de basket, nous posons branlier. B-R-A-N-L-I-E-Z. Branlier, B-R-A-N-L-I-E-Z, A8. 110 points. Au reliquat, une lettre, Xenophon. On ajoute Algérie A. Italie I. France F. Venezuela V. Belgique B et Roumanie R deux fois. Vous jouez avec Xénophon, Algérie, Italie, France, Venezuela, Belgique et Roumanie deux fois. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Cinquante-quatre points. Et verticalement en 12D, on appuie sur le U de Évoluon. Nous plaçons Furax. F-U-R-A-X. Si je le pose sur la grille, c'est mieux, n'est-ce pas ?
Donc Furax, voilà, F-U-R-A-X, 12D, 54 points. Quatre lettres reliquat, Belgique, Italie, Roumanie, Venezuela. On ajoute Québec Q, Québec. Roumanie R, c'est le deuxième. Égypte E, Roumanie R, cela vous en fait trois. Vous jouez avec Belgique, Italie, Roumanie trois fois, Venezuela, Québec et Égypte. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 48 points. Verticalement en 2J, pour mettre un R devant adouci, nous descendons vibrer. V, I, B, R, E. R, n'oubliez pas le R final, et le premier R de vibrer transforme adouci en radouci. Donc faites attention à la place, c'est le V, la lettre V de Venezuela qui est sur la case bleu foncé. Vibrer, V-I-B-R-E-R, en 2J, ça vaut 48 points.
Deux lettres reliquat Québec et Roumanie. Ajoutons Maroc M. Algérie A. Uruguay U. Suisse S. Italie I. Et Danemark D. Vous jouez avec Québec, Roumanie, Maroc, Algérie, Uruguay, Suisse, Italie et Danemark. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Quatre-vingt-dix points. Verticalement en B3. En appui sur le A de basket pour coller sous les premières lettres de branlier, nous posons Marquet. M-A-R-Q-U-A-I-S. Au passage, avec le R et le A, on forme RI et AS. Marquet, M-A-R-U-U-A-I-S, B3. 90 points. Une lettre au reliquat, Danemark. On ajoute Océanie O. Égypte E.
Luxembourg, L. Tunisie, T. Océanie, O, deuxième. Luxembourg, L, deuxième. Égypte, E, deuxième. Vous jouez avec Danemark, Océanie deux fois, Égypte deux fois, Luxembourg deux fois et Tunisie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un top à 51 points. Verticalement en 15C, en appui sur le S de Évoluon. Nous descendons désolé. D-E-S-O-L-E. Le E forme je, J-E avec le J de jachère. Désolé, D-E-S-O-L-E, 15C, 51 points. Trois lettres reliquats, Luxembourg, Océanie et Tunisie. Ajoutez Uruguay U, Norvège N, Égypte E, Océanie O, c'est le deuxième, et Yougoslavie Y. Vous jouez avec Luxembourg, Océanie deux fois, Tunisie, Uruguay, Norvège, Égypte et Yougoslavie. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 75 points. Horizontalement, en O1, on appuie sur le R disponible de vibrer. Nous posons Troyen. T-R-O-Y-E-N. Troyen, T-R-O-Y-E-N, O1. 54 points. Trois lettres reliquats, Luxembourg, Océanie et Uruguay. On ajoute Hongrie, H. Grèce, G. Suisse, S, deux fois. Et Italie, I. Vous jouez avec Luxembourg, Océanie, Uruguay. Hongrie, Grèce, Suisse deux fois et Italie. Il vous reste 30 secondes.
Le coup est terminé. Un maximum à 24 points verticalement en 3i. En cheminée entre modifier et vibrer, nous descendons i, h, i. Le h forme i avec le deuxième i de modifier et le i forme vi, vie en s'intercalant entre le v de vibrer et le premier e de modifier. I, h, i en 3i. Ça fait 24 points. Un reliquat de 6 lettres. Grèce, Luxembourg, Océanie, Suisse, deux fois et Uruguay. On ajoute Norvège, N. Égypte, E. Vous jouez avec Grèce, Luxembourg, Océanie, Suisse, deux fois, Uruguay, Norvège et Égypte. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Cinquante-quatre points. Horizontalement en haut 1, nous prolongeons Troyen en Troyenne. T-R-O-Y-E-N déjà sur la grille, et on ajoute N-E.
T-R-O-Y-E-S, n'oublie pas le S final, on joue le mot au pluriel. Troyenne, T-R-O-Y-E-2-N-E-S, en O1, ça vaut 54 points. Le reliquat est de 5 lettres, Grèce, Luxembourg, Océanie, Suisse et Uruguay. Vous prenez la toute dernière, à savoir Tunisie. T, vous jouez donc avec Grèce, Luxembourg, Océanie, Suisse, Uruguay, Tunisie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Maximum à 22 points. Faites attention à la solution choisie. Verticalement en 10 D, en appui sur le premier O de Évoluon. Nous plaçons sous. S-O-U. Le S met K au pluriel et le U forme TAU, T-A-U. Attention à la solution, la dernière lettre est un U d'Uruguay. Nous avons joué sous S-O-U en 10D pour 22 points. Et il vous reste 4 lettres, Grèce, Luxembourg, Océanie, Tunisie. C'est un tirage valide. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Dernier coup de cette partie, 7 sur 8 à vocabulaire courant est à 13 points. Horizontalement en G. 4. En partant du premier i de modifié et en collant au-dessus de fume, nous posons îlot. I-L-O-T. Au passage, forme lu, homme et te avec les lettres de fume. Îlot, I-L-O-T en 5, en G4, pardon. Ça vaut 13 points. Et voilà donc qui termine cette partie 7 sur 8 à vocabulaire courant en 19 coups pour un top cumulé de 1242 points. Une très très jolie partie que nous allons décoder tout de suite. Alors, un décodage en deux temps pour les parties 7 sur 8. On zappe l'étape des potentialités des tirages. Pour une raison technique. Donc, deux temps principaux, les isotopes et sous-topes, principaux sous-topes de chaque coup. On va les passer en revue. Les définitions de quelques mots peu courants, essentiellement issus des sous-topes ou des isotopes. Et puis en bas, vous avez deux lignes de vocabulaire à retenir. La première, c'est une sélection de quelques mots issus de la partie, avec leur nature, hein, pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Par exemple, sauder et désauder sont des adjectifs et pas des verbes, avec un seul S pour désauder, aussi étrange que cela puisse paraître. Troy, T-R-O-Y, c'est un nom masculin invariable. Musard, musarde, c'est un adjectif ou un nom, et le verbe musarder a son participe passé invariable. Notez le verbe émoudre. Jucher, déjucher, crib, twister, verbe au participe passé variable. On peut twister une danse. Je crois avec danser, c'est le seul verbe qui désigne une danse qui soit transitif direct. Voilà. Et puis en dessous, comme on a joué twist à un moment donné, j'ai pensé à la liste des verbes avec le W. Voilà. Donc ça défile en bas, je vous laisse regarder pendant les petits temps morts de ce décodage. Alors, au premier coup, pas de Scrabble. Et donc on a eu un top à 28 points avec fume ENT. Sous top moins 2, fumée et E ou fumée ET, enfume, étoffe, fente et futé étaient à 24 points. Le coup suivant difficile, un Scrabble unique avec avantage. Il fallait penser à le construire celui-là, c'est pas évident. Avantage donc sur le T de fume. Seul Scrabble, ensuite on tombe 39 points derrière avec avec le V en pivot, la VO VAU ou VU VUE, 25 en G7, Fauve en 4H, ça fait 22. En G7, on a 3 solutions à 20 points avec les modes de lettres avec le V, et Fanage en 4H faisait aussi 20 points. Notez que une fois qu'on a joué avantage, on peut. Alors. C'est un verbe, hein, avantager, E-R-S-Z, même le A, avantage A, il faut y penser à celui-là. Et également, l'adverbe d'avantage, donc on pourrait mettre un D devant. Bon, il se trouve qu'on va tout de suite empêcher cette possibilité
au coup suivant en mettant un E, mais il fallait y penser. Donc peupler le coup d'après Scrabble unique, encore une fois, là il faut essayer de chercher sans le W, c'est pas forcément évident. Alors le W c'est souvent une lettre parasite, puisque parasite entre guillemets, c'est-à-dire que c'est la lettre qui va pas nous servir à trouver le top, en l'espèce un Scrabble. C'est souvent le W parce que il n'y a pas beaucoup de Scrabble avec le W. Mais parfois ça peut être voilà, une lettre un peu plus anodine qu'il faut penser à écarter pour trouver un Scrabble avec les 7 lettres restantes, ce qui n'est pas toujours évident comme exercice intellectuel. Donc peupler EE qui passe pour transformer avantage en avantagé EE. Bien placé en L8 avec le P qui double et le mot qui double, ça fait 91. Si on le place de l'autre côté, ça fait 87. Et si on ne scrabble pas, on culmine à 39 avec EWE au féminin, formant avantagé EE toujours. Peuple est également à 39 à ce nombre-là, mais si on joue peuple et qu'il nous reste un E, c'est un peu dommage. PP et E. En L8, ça faisait 37, donc il y a beaucoup de solutions à cet endroit-là. Et puis 34, Awele en F9 avec le W qui triple. Le coup d'après, de nouveau le W, on va le mettre de côté. On a deux solutions pour scrabler, émoulon du verbe émoudre à 63 et un peu plus puisque le mot double, évoluon en E8 pour le top. Ensuite, on a 55 points avec slow en triple qui met peuplé au pluriel. Ou aller en D8, le W double, le mot double, 48. Et en triple, on a news et one au pluriel en 8A à 45. Tirage d'après, bah de nouveau le W, on va le mettre de côté. On a deux scrabbles possibles avec le tirage sans W. Là, juchera sur le U à 90 points et jachère sur le E, donc sur l'un des deux E de peuplé. En 13H, ça fait 92, le mot double. Et en 14H, ça fait plus, 102. Puisque le C triple, en plus du mot double. Age, H-A-J-E-S, donc c'est le pluriel de age, qui met peuplé au pluriel, ça fait 61, c'est une jolie solution. Chva, S-C-H-W-A-S, en triple, ça fait 60. Sans le S au singulier, 57. Et en 8A, plusieurs solutions très jolies à 56 points. On n'utilise aucune des deux lettres chères, c'est pas des Scrabble, mais ça fait quand même 56. Bon, c'est pas 56, c'est pas un score de Scrabble, mais c'est quand même un gros score. Arche, cachère, éché, rêche et séché. Ça fait beaucoup de points parce que le H double, le mot triple et le H est en pivot en collant avec le A de. Avec le A de avantagé, pardon. D'ailleurs, c'est une jolie place qu'on va utiliser bientôt. Le coup suivant, twist, le W double mot triple, 72, sous toc crib en triple, avec le B qui double, 36. Bâtir, bâti, catir, cati en D8, ça fait 35. Ce sont de jolies collantes avec le C en pivot sur la case bleue. Et le mot qui double, c'est pour ça que ça fait autant. Biter en 8A, ou biter, c'est le verbe, 32. Le coup suivant. Modifier, donc quand on a beaucoup de voyelles comme ça avec le I, les E, si on a un F, eh ben c'est pas mal parce que F, I, E, E, F, I, A, I, ça prend plein de voyelles, les verbes en ifier, puisqu'en plus il y a un I devant, avant le F, donc voilà, modifier qui passe pour 76 points, sous top amodier, un autre verbe en I, E, R qui du coup potentiellement a beaucoup de voyelles dans certaines formes, 67, désamé. 54, Oside, Osmi, 48,
Tout ça, c'est en triple formant jeu, J-E. Le jeu qui va tripler lui aussi, puisque la case rouge est juste à côté. Emoji en H11, le M double, le J dans le mot, ça triple, ça fait 45. Au même endroit, déjà, et Mage et Meiji sont à 42. Le coup suivant, là on va essayer de scraper sans utiliser le K, mais Badoda. Ouais, y a pas des bagas sur un E ou un G. Bon, bah, tout ça, ça passe pas. Bah, ça aurait pu passer et faire moins que ce top à 101 points qui n'est pas un Scrabble, mais avec le K qui double, hein, le mot qui triple et le K qui est en pivot pour faire K dans l'autre sens sur une case bleu ciel, ça fait exploser le score. Le K à lui tout seul, il vaut 60 points dans basket et 20 points dans K, donc 80 points à lui tout seul. C'est énorme, bien sûr. Basket en 8A et sous top. C'est quand même assez rare. Le top et le sous top sont dans la même, dans le même champ lexical du sport. Même dans le même sport, le dunk, c'est un smash au basket. 15A, 72 points. Avec le K qui double et le mot qui triple. 4, KATS, L1, ça fait 70. K double, mot double et modifié double aussi. Des tacs, des tanks en 15A, ça fait 69. Des araks également. Saké en 15E est à 60. Le coup suivant. Alors là, potentiellement pas mal de Scrabble, hein, acidulé, éclusé, dilué, etc. Et donc, la place intéressante ici, ça va être de mettre un S au bout de... Enfin non, il y a plusieurs places intéressantes, pardon. Il y a le B de A8, en A8, le B de basket, pardon, pour aller jusqu'au triple, basculer, boucler, ça passe... Et puis l'autre place assez intéressante, c'est B8. Est-ce qu'on arrive à placer voilà le C qui triple et le mot qui double, l'Aïkar 82, acculé 80, basculer ça passe ici aussi, Joker B 80. Et puis ensuite en M3, voilà, en faisant IS à la fin. Ça passe parfaitement là, ça fait pied avantagé au pluriel et ça permet de doubler. Donc on a pas mal de solutions ici à 87 points avec élu, dé, dilué, adulé, éculé 89, coulé également, cloué aussi, oudé 91 et adouci qui en plus a placé le C sur la case bleu ciel à 95. Et puis en plus c'est encore de surcroît très intéressant puisque on peut mettre un R devant, former radouci. Le coup suivant. Alors là, le X parasite, pas évident. On a deux Scrabble, 86 points avec aluniré, le Z double, mot double. Non, le Z ne double pas, mais le mot double, 86. Et le top, c'est en triple avec branlier pour 110. Pensez à mettre un E devant, éventuellement. Ensuite, on a Zahir en 2J avec le Z qui triple, le mot qui double et au passage en forme radouci, 78. Luxe EZ, le Z double, le mot double, ça fait 66, tout comme Sax en 15E. Zen en 15G est à 65. Tirage suivant. Le X qui double dans un mot qui double également, Furax, ça fait 54. Sous top à 46 avec Fibra ou Vibra en 2J, formant radouci avec le F ou le V qui triple. Au même endroit, Frira est à 42 et Barry à 36. En 6K, faux FAUX, le X triple. Idem en K1, c'est un mot double. Et faux ou vaut, du coup, 36. On va s'inspirer du sous-top là, du coup précédent, on a joué Vibra, Fibra, ben là on peut jouer Vibrer,
48, on enlève le R, on perd 2 points, c'est logique. En 15, j'ai V qui forme jeu, ça fait 42. B, 39, tout comme Cire en partant du S de évolution au même endroit. Ré est à 33. Vibrera, mot double, à 28 en B2. Le coup suivant, on a marquis en main. Marquise sur un E. Pas de E, pas de place pour marquis. On a musardé. Alors là, il n'y a pas beaucoup de place pour scrabler, hein. Le R de vibrer éventuellement, mais on a beaucoup de, ça fait beaucoup, pas mal de consonnes. Et puis le R en deuxième position, comme ça, il n'y a rien pour mettre avant. Ouais, on est... y a pas grand-chose qui... Presque grimaud. Donc deux Scrabble passent ici, musardé en double et marquet qui place bien le cul sur la case triple et qui colle sur deux lettres, 90 contre 76 et ensuite sans Scrabble on monte à, on descend à 40 avec qui-cui, le cul en pivot sur la case bleu ciel en 3i. Maquet, arqué, raqué, tout ça, ça met le cul sur la case triple, ça fait 39, 38, qui est... Au pluriel 36, toujours sur le A de basket. Notez un joli radium au pluriel en O2 à 33 points. D'ailleurs, on avait radium en main, du coup, effectivement, qui ne passait pas. On dira sur un A. Alors, le tirage suivant nous permet de jouer désolé en 15C en triple avec jeu JE qui triple en prime. 51, au même endroit, saut adjectif est à 42, sol à 39, et en B1, on peut, il faut penser à transformer marqué en démarqué, également remarqué, bon là on n'a pas de R, mais avec un R, ça aurait été un sous-top, ou même peut-être un top en fin de partie, c'est possible. 38 ou remarqué aurait été à 36, 2 DE en 15G fait 36, du coup. Le coup suivant, le Y triple, le Y double, pardon, et le mot triple en O1 avec Troy ou Troyen. Donc Troy fait 69 et Troyen 75, forcément. Ailleurs, 37 points avec Yodel ou Yol en F2, le Y triple en moi, MOYE en 6H, ça fait 34. Tout comme type TYPENT, mot double en 11J. Le coup suivant, alors on a Slougi au pluriel avec ces 8 lettres. Évidemment, on ne peut pas jouer un mot de 8 lettres, donc ça ne passerait pas, mais il y a Slougi au singulier, Slougi, je vous le ferai apparaître tout à l'heure dans les définitions, qui ne passe pas, sinon ça n'aurait pas été une partie à vocabulaire courant. Et donc on a un petit top à 24 avec IHI, qui est le H en pivot. Sur une case bleu ciel, église en K4, jolie solution, double appui qui fait spi, ça double et ça fait 23. OHO 23 aussi, UEHUAIS 23 également, le H en pivot sur une case bleu ciel. Bon, il ne se passe plus grand-chose de folichon en cette fin de partie, il n'y a plus de place pour scrabler vraiment. Là, on transforme troyen en troyenne, au singulier 51, au pluriel 54, ose. ENT en collante intégrale mettant peuplé au pluriel, ça fait 28. C'est joli. Et en 10, D, plusieurs solutions à 25, 4 lettres qui collent bien. Noué, sonne, sono et so, et sou, SOUE. Beaucoup de solutions 24 aussi ensuite. Ego, Géo en A1, Grouse en 5A et Ose en 15K. Le coup suivant, voilà, bon là, c'est la fin. Sauce ou taux, TOS au pluriel, ça faisait 22. L'UO en triplant à 1, 21. Tout comme OS en 15K. Et enfin, le dernier coup, il y avait deux solutions à 13. Vous pouvez transformer K en OK et jouer ILO, ILOT, jolie petite collante. Pour clore cette partie,
Donc on en a terminé avec les isotopes et sous-topes, on va passer maintenant aux définitions. Donc vous avez vu, j'en ai rajouté pendant la partie, je les ai préparées et j'ai complété. C'est pas forcément dans l'ordre d'apparition et ça n'est pas nécessairement exhaustif par rapport à tout ce qu'on a vu dans les tops et les sous-tops. Donc émoudre, c'est un verbe qui se conjugue exactement comme le verbe moudre. Je vous invite à aller vérifier les tableaux de conjugaison, soit dans l'ODS, soit sur le Becherel, par exemple. Aiguiser sur une meule, jucher, se percher ou placer très haut, et on peut déjuger, qui signifie faire quitter le juchoir en parlant d'une poule. Le crib est une cellule en grillage pour sécher le maïs. Twister, donc transitif, hein, on peut twister une danse. Donc on peut avoir twisté on peut le dire E, exécuter une danse comme un twist. Amaudier, donner une terre en location. Le dunk au basketball, c'est un smash. Nom masculin, il n'y a pas de verbe dunker, bizarrement, mais voilà, ça mériterait d'être étudié, peut-être prochainement. Alunir, être aluni, s'être posé sur la lune, donc le verbe est transitif. Fibrer, équiper un immeuble de fibres optiques. Troy, nom masculin et adjectif invariable, donc pas de S. Système de points anglo-saxon utilisé pour les matières précieuses. Si vous avez Troy avec un S, jouez plutôt Tori, qui est l'un des deux pluriels de Tory, T-O-R-Y. Nom masculin et adjectif, membre du Parti conservateur en Grande-Bretagne. Tory, Tories, I-E-S, au pluriel, ou Y-S. Notez qu'on peut jouer Shorty sur un H, Austria et Styrol. Un joli petit 5 plus 1. Musard, adjectif et nom qui passe son temps à muser. Muser, ça veut dire s'arder à des bagatelles et en Belgique, fredonner. Donc le verbe musarder, c'est pareil. Souder, adjectif qui contient de la soude. Dessauder, régime, adjectif également régime dont on a enlevé le sel. Étoffe, c'était la balle utilisée dans le jeu de paume. Veau, au pluriel avec un X, nom masculin, une pièce utilisée dans la construction d'une voûte. Yodel, avec un J ou un Y, chant fondé sur le changement de registre vocal. Yodeler, avec un I, un J ou un Y, ou Yule, vocalisé sans parole. Slougi, S-L-O-U-G-H-I, un lévrier d'Afrique, nom masculin. Age, c'est comme le Naja, le serpent à lunettes. J'ai entendu ça quand j'étais gamin. le Chva, C-H-V-A ou S-C-H-W-A. En linguistique, c'est une voyelle non accentuée. Écher, A-I-C-H-E-R, E-C-H-E-R, E-S-C-H-E-R, garnir d'une hèche, qui est un appât pour la pêche. Biter, B-I-D-T-E-R, une liqueur amère, mais c'est aussi un verbe, biter, avec deux T, qui signifie amarrer, ou avec un seul T, qui signifie comprendre, de façon familière. Désamer, se désamer, c'est au Québec, se donner beaucoup de mal. Un verbe très poétique, je trouve. Arak, A-R-A-C, A-R-A-C-K ou A-R-A-K, une eau de vie des pays arabes, c'est un nom masculin. Le TAC, T-A-C-K, pouvoir collant ou adhésif repositionnable. Le Grimaud, c'est un mauvais écrivain. Voilà, mais écoutez, on a terminé. Je vous laisse sur quoi. Allez, désolé. On a terminé cette partie et son décodage. J'espère que vous avez passé un bon petit moment, que vous avez appris 2-3 bricoles. Si la chaîne vous plaît, je vous invite à vous y abonner, à en parler autour de vous, dans votre club, auprès de vos proches, notamment pour les débutants. Les parties à vocabulaire courant sont intéressantes pour l'initiation. Et puis, pour profiter de toutes ces parties 14 jours avant tout le monde, et puis également pour nous soutenir matériellement, parce que c'est beaucoup de boulot pour produire ces vidéos, eh bien, on vous invite à prendre un abonnement payant, 4,99€ par mois, sans engagement. Vous cliquez sur « Rejoindre » et puis vous
vous suivez le petit processus de paiement que Google vous invite à suivre. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci et portez-vous bien. Ciao, ciao.